La chaire Alter Gouvernance a souhaité réaliser avec Adecco Group France cette étude, essentiellement pour participer à un débat à la fois politique, managérial et académique sur la relation qu'on peut supposer entre la responsabilité sociale de l'entreprise et la performance économique. C'est un débat qui existe depuis quelques années et sur lesquels on a accumulé effectivement des éléments, parfois des preuves, mais il nous reste encore évidemment à travailler cette question de manière approfondie et nous espérons que cette étude apporte une contribution significative de ce point de vue-là. Cette étude, elle est, je dirais, novatrice, car pour la première fois, on a pu observer sur des données françaises, sur un espace de 10 ans et avec une précision de données très importante, cette question du lien potentiel entre la RSE et la performance économique. Alors je dirais, il y a un résultat majeur. Cette étude, elle met en lumière l'existence d'un cercle vertueux entre la performance RSE et la performance économique. Ça, c'est, je dirais, le résultat principal. Ensuite, on a une série de résultats que je vais détailler qui tournent autour de trois points. Le premier point, c'est que la performance RSE ne se fait pas au détriment de la performance économique. Deuxième point, des résultats qui peuvent apparaître nuancés. Il y a effectivement des entreprises qui arrivent à associer de manière harmonieuse performance RSE et performance économique. Et puis le troisième point, c'est qu'on a l'existence d'une typologie d'entreprise qui se dégage de ce point de vue-là. Au final, le résultat majeur de cette étude, c'est qu'on constate sur l'ensemble de la décennie l'existence d'un cercle vertueux. Performance RSE et performance économique vont de pair. Et effectivement, les pratiques responsables ont un impact sur la performance économique des entreprises. Ça, c'est le résultat majeur de notre étude.